Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode numéro... j'en sais rien. Mais alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Ben, on va parler de la connexion Internet haut débit, je précise, pour les nomades. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça en plusieurs étapes. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, parce que j'ai allumé le chauffage à fond, là, parce que ça caille dans le car. Donc, parce que j'avais pas allumé le chauffage avant, quel abruti. Bref, je vais essayer de faire ça en plusieurs étapes, pour que ce soit le plus clair possible. Alors, je vais vulgariser un maximum, mais je vais quand même rentrer en détail sur certains points. Voilà. Parce que c'est important de comprendre, parce que je vois beaucoup de gens qui achètent du matos très cher et pas forcément efficace. Voilà. Donc, alors concrètement, connexion Internet. Pourquoi? Alors pourquoi? Bah, déjà pour avoir Internet, hein, vous avez compris, mais aussi pour avoir la télévision, pour pouvoir gérer une alarme, une caméra par exemple à distance, etc. Vous allez voir qu'on peut venir ajouter sur cette... sur cette connexion Internet, bon nombre de possibilités en tant que nomade, et pas que d'ailleurs. Donc, étape 1. Étape 1, important, et c'est une étape que beaucoup sautent malheureusement, avant de choisir leur matériel, bah, y a un truc important, c'est de choisir son opérateur. Parce que bah, il faut savoir qu'on va avoir besoin de matériel, hein, d'un routeur, d'une antenne, etc. Mais on va avoir besoin aussi bah, d'une carte SIM pour pouvoir avoir la 4G. Et donc cette carte SIM, va falloir la choisir chez un opérateur. En France, on a quatre opérateurs principaux. Hein. Il y a Orange, Bouygues, SFR et Free. Voilà. Et après, vous en avez d'autres à côté, Soch, machin, des trucs comme ça. Mais il faut savoir que ces petits opérateurs passent par des gros opérateurs. Voilà. Concrètement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. L'objectif, quand on a une connexion Internet, c'est de pouvoir en profiter au maximum. Donc, qui dit connexion au débit, dit connexion illimitée. Sauf que, dans les forfaits qu'on prend, hein, chez Bouygues, SFR, Orange, on a toujours des limitations de débit. Alors, vous avez des forfaits avec 200 gigas, vous avez des forfaits à 550 gigas, etc. Alors, on vous vend de l'illimité alors que c'est pas illimité. Pour faire simple, moi j'ai choisi Free. Pourquoi Free? Parce que Free, c'est le seul opérateur qui propose un abonnement complètement illimité. Alors vous devez dire, ouais, c'est pas vrai, machin. Si, si, c'est vrai. Par contre, il y a des conditions pour que ce soit complètement illimité. Donc avec Free, pour avoir une carte SIM avec un abonnement complètement illimité, c'est-à-dire que vous pouvez consommer en termes de giga, illimité, hein, moi je vais vous dire, je suis chaque mois, parce que je l'utilise pour mon boulot, je suis chaque mois entre 1000 et 2200 gigas. Vous imaginez? Et j'ai jamais été bridé sur les connexions. Voilà. Pour pouvoir avoir cette connexion illimitée comme ça, il y a une condition principale, c'est il faut posséder une Freebox à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai deux abonnements concrètement. J'ai l'abonnement de la Freebox à la maison, donc la box internet basique, hein, à la maison, où je paye 32 euros, je crois. Et après, j'ai pris un abonnement téléphone, donc un abonnement 4G, tout illimité, à 15,99 €. Voilà. Et c'est cette carte SIM, en fait, que je vais me servir. Si vous voulez, la box à la maison, je m'en sers pas. Je paye 30 euros, en fait, de box pour rien. Enfin, pour rien. Pour pouvoir bénéficier de l'illimité sur ma carte SIM. Vous comprenez? Voilà. Du coup, avec cette carte SIM-là, je la mets dans ma box 4G, dans mon routeur, on appelle ça, pour avoir l'illimité. Voilà. Donc ça... Ça, c'est pour la connexion par l'opérateur. Après, avant de choisir son matériel, il va falloir vérifier. Donc, je ne vous dis pas que Free, c'est le meilleur. Hein. Je reviens là-dessus. Free, c'est pas le meilleur. En tout cas, c'est meilleur pour moi. Mais peut-être pas pour vous. Peut-être que vous avez des meilleurs plans chez les autres opérateurs. Peu importe l'opérateur que vous prenez, une fois que vous l'avez choisi, avant d'acheter le matériel, il va falloir vérifier quelle fréquence, quelle bande de fréquence 4G l'opérateur utilise. Par exemple, pour Free... Free utilise trois bandes. Il utilise la bande, c'est la B28, 700 MHz. Alors attendez. Bon, le mieux, je vais vous faire afficher à l'écran. Comme ça, vous allez avoir un tableau qui reprend donc les fréquences utilisées par les opérateurs.
Donc, Free, je vais parler de Free hein, principalement. Free utilise trois bandes de fréquences. Il utilise la B28, c'est la bande 700 MHz. Il utilise la B3, qui est la 1800 MHz. Et la B7, qui est de 2600 MHz. Alors, ces trois bandes de fréquences, c'est quoi? Ben, en fait, c'est des fréquences sur lesquelles la 4G, les données vont passer. Voilà. Donc, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter votre matériel, que ce soit le routeur ou l'antenne, il faut que votre matériel capte en fait la bande des 700 MHz. Voilà. Donc moi, le matériel que je veux vous présenter, que ce soit le routeur ou l'antenne, c'est du matériel qui capte le 700, le 1800 et le 2600 MHz. Ce qui va vous permettre en fait, en prenant Free comme opérateur, d'avoir un débit de dingue. Donc une fois que vous avez choisi votre opérateur, hein, vous avez vérifié les bandes de fréquence qu'il utilise, maintenant il va falloir choisir le matériel. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins. Hein. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs moyens de se connecter à la 4G. Vous pouvez utiliser le smartphone, mais alors avantage inconvénient, l'avantage c'est que c'est son smartphone, on l'a tout le temps, sauf que l'inconvénient c'est que les débits sont bien moins importants, et surtout c'est bien pour dépanner, mais quand vous voulez avoir une connexion stable, le smartphone c'est pas cool parce que vous avez des déconnexions assez régulières. Si vous utilisez votre téléphone pour vous connecter, quelqu'un appelle, ça vous coupe la connexion 4G, la connexion internet, etc. Voilà. Donc pour moi ça proscrire ça. Ça peut très bien dépanner certaines personnes. Hein. Mais vous voyez, j'ai du mal à croire qu'on peut utiliser un smartphone pour avoir internet, pour avoir la télévision, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je mets de côté. Après on trouve beaucoup sur le marché aussi des petites box nomades, ils appellent ça portable. Je vous mets quelques exemples en photo là. Alors ça pourrait être pas mal, sauf que concrètement, pour moi c'est du dépannage aussi parce que il n'y a pas tellement de différence avec un smartphone, à part que peut-être la connexion sera un peu plus stable que le smartphone, mais voilà, ça reste quelque chose, des produits où on a un débit assez limité, parce que la plupart du temps on ne peut pas brancher d'antenne externe, et il faut savoir que justement ce qui fait la différence sur le matériel que je vous présentais, c'est le fait de pouvoir mettre une antenne externe qui va donc porter plus loin et qui va être multidirectionnelle. On y viendra tout à l'heure. Voilà. Donc pareil, c'est du matériel, je ne dénigre pas, mais en tout cas c'est du matériel trop cher pour moi et pas adapté à l'utilisation que j'ai moi, c'est-à-dire utilisation internet intensive et gestion, on va dire, de la domotique, de la télé, etc. Moi je vais vous parler des box 4G fixes, en fait c'est des box 4G pour la maison, hein, mais qu'on va pouvoir utiliser dans un véhicule. Pourquoi? Parce que les deux box, je vais vous donner le nom et la référence de deux box que vous pouvez utiliser. Ces deux box, vous trouvez des alimentations, des chargeurs en 12 volts. Donc vous pouvez le brancher directement sur votre camping-car en 12 volts. Voilà. Il y en a deux. Le premier, c'est celui que j'utilise moi, c'est le TP-Link MR600. MR600, important. Hein, parce qu'il y a le MR200, le MR400, le MR1200. Non, moi je vous parle bien du MR600 de chez TP-Link, box 4G. Pourquoi le MR600? Parce que c'est le seul qui capte la bande des 700 MHz. Et il a aussi un gros avantage, c'est que cette box 4G fait l'agrégation de bandes. Vous allez me dire, c'est quoi l'agrégation de bandes? On revient un petit peu en arrière, c'est que Free, par exemple, utilise trois bandes, 700 MHz, 1800 et 2006. Et bien quand une box elle fait l'agrégation de bandes, c'est-à-dire qu'en fait, si votre antenne elle capte par exemple la bande des 700 MHz et la bande des 1800 MHz, que votre routeur, enfin que votre box 4G aussi, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au lieu de passer la connexion internet sur une seule bande, vous allez capter sur deux bandes, c'est-à-dire vous allez capter deux fois plus finalement. Et donc on va avoir une augmentation de débit assez importante, et une augmentation de bande passante pour ceux qui. Enfin bref. Pas trop rentrer dans les détails. Donc le MR600, c'est les deux gros avantages qu'il a, c'est de faire l'agrégation de bandes, donc, et puis d'accepter en fait toutes les fréquences. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser aussi avec les autres opérateurs. Voilà. Je me concentrerai donc sur Free toujours. Donc il y a un autre modèle aussi qui est pas mal, alors qui coûte plus cher que le TP-Link MR600, mais qui est aussi bon dans ses connexions, c'est le Huawei
le B715S-23C. Vous avez compris, hein, la référence n'est pas simple. Je vous mets le lien dans la description de ce deuxième modem-là. Alors, il a les mêmes caractéristiques, les mêmes avantages que le MR600. Il a quelques options supplémentaires, mais qui, à mon sens, au vu de la différence du prix, n'est pas... Enfin, ça en vaut pas la chandelle, quoi. Mais après, hein, chacun fait comme il veut. Moi, je choisis toujours au moins cher et au meilleur, voilà. Donc, moi, j'ai choisi le MR600. Donc, je vais développer dessus. Alors, le boîtier MR600, je vais vous montrer un peu la tronche qu'il a, hein. Bon, il est installé, il est là-haut. Voilà, il ressemble à ça, comme ça. Donc, c'est un petit boîtier, vous voyez, on peut le mettre là. Il y a au-dessus deux prises pour mettre l'antenne extérieure et vous avez l'alimentation. Vous avez la carte SIM qui se met par-dessus, je ne vais pas sortir, hein. Après il y a la notice de toute façon, hein, quand vous l'achetez. Bon, c'est très très simple au montage, et alors le gros avantage, et là où TP-Link, parce que moi j'en ai essayé plein de routeurs, vous imaginez bien, hein, j'en ai eu plusieurs. Le gros avantage du TP-Link, c'est l'interface de gestion. Franchement, ils ont fait quelque chose de simple, les réglages, l'interface est vraiment simple d'utilisation, quoi. Vous pouvez accéder à tout facilement et vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode simple où c'est des gros boutons où on clique dessus, où on choisit les options qu'on veut. Vous avez le mode avancé et le mode expert où là on peut vraiment configurer ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc il y a ce TP-Link là et donc ce routeur 4G là qu'il va falloir associer avec une antenne. Alors. Le monde des antennes, c'est là où c'est le plus complexe finalement. C'est qu'en fait, il y a énormément d'antennes qui sont vendues, qui sont des antennes de merde, qui sont vendues très très cher. Concrètement, des antennes de bonne qualité qui captent bien sur toutes les bandes de fréquences, elles sont pas nombreuses. Et la plupart sont très chères. Alors moi, je vais vous parler du meilleur rapport qualité-prix. Meilleur rapport qualité et prix, on est d'accord. Donc c'est pas la meilleure antenne qui existe, il y en a des beaucoup mieux. Notamment, je vous mets le lien dans la description de la chaîne, enfin d'une vidéo, d'un live qu'a fait Bretzbus, hein, Cyril de Bretzbus, où il a parlé justement de la 4G. Alors lui, il avait pas le même budget que moi là-dedans, donc lui, il a mis un billet, un plus gros billet que moi. Par contre, l'antenne qu'il a achetée, qui vaut un peu plus de 250 €, même 300 je crois, là on est sur le top du top, quoi. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par du haut de gamme, très haut de gamme avec le top du top, je vous mets le lien dans la description de son live, vous pouvez aller voir, il y a les liens de ses produits, hein. Voilà, c'est du bon matos. Moi je vais revenir à mon niveau, financier plus forcément plus limité. Donc je vais vous parler moi de l'antenne que j'ai sélectionnée. Alors j'ai longuement cherché, j'ai discuté avec des professionnels, notamment on vous en a déjà parlé sur YouTube, mais de la boutique multiboutique.fr. Alors multiboutique.fr, c'est un site qui vend du matos pour la connexion 4G, pour la connexion Wi-Fi, etc. J'ai eu le patron au téléphone qui est très 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 sympa. Salut à toi d'ailleurs. Donc je vous le dis de suite, hein, moi dans cette vidéo il n'y a pas de partenariat. Je mets en avant son entreprise multiboutique.fr parce que déjà c'est une entreprise française, hein, Cocorico, c'est important je crois, surtout actuellement c'est important de faire marcher des boîtes en France, mais aussi parce que c'est un gars qui s'y connaît très bien, qui a des compétences importantes, voilà. Et en gros, si vous voulez des renseignements sur les antennes, vous voulez des données techniques, n'hésitez pas à le contacter par mail. Le gars, c'est une bible de la 4G, une bible de la connexion, quoi, voilà. Donc, et alors, après avoir discuté avec lui, lui expliquer un peu, moi, la configuration du car, l'utilisation que je vais en avoir, il m'a proposé une antenne à un prix, prix très intéressant. Il y en a pour moins de 80 €, quoi, l'antenne. Avec, il faut, une chose importante aussi, penser aux câbles. Il faut savoir que plus vous mettez des câbles longs entre votre antenne et votre routeur, plus la perte sera importante. Voilà. Et donc, il faut essayer de mettre le câble les plus courts entre les deux. Important. Et de prendre les câbles les plus renforcés. Si vous achetez des câbles tout fins, bas de gamme,
Vous allez avoir le gain que va vous offrir l'antenne en réception, vous allez le perdre dans les câbles. Voyez. Mais pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai plus son prénom, merde, mais à multiboutique.fr. Pour ça, il est au top. Il sait comment calculer la longueur de câble, le diamètre de câble qu'il vous faut par rapport à la longueur pour pas avoir de perte, etc. Voilà. Je vous montre une photo. Bah tiens, je vais aller vous montrer sur le toit du car. Allez, l'antenne que j'ai achetée chez lui. Hop. Parce que voilà, il faut faire très attention au niveau des antennes parce que je vais vous montrer l'antenne que moi j'ai sur le toit. La même antenne, on la retrouve. Alors la même antenne, la même tronche d'antenne. Hein, on la retrouve sur notamment sur Amazon. Mais il faut savoir que la version qui est vendue sur Amazon, concrètement, c'est de la daube. Hein. C'est la même coque extérieure, mais à l'intérieur, vous n'avez pas du tout le même matos. Et du coup, vous avez une connexion pourrie quoi, avec. Hein. En fait, une connexion qui ne change rien du tout par rapport aux antennes du routeur d'origine. Voilà. Je la montre. Vous voyez, c'est une antenne en dôme, comme ça. Alors, une chose importante. Parce que ces antennes sont... Cette antenne est vraiment top. Une connexion de fou. Par contre, il y a un petit défaut. C'est que la coque, en fait, elle est en deux parties. Vous avez la partie basse, le socle, et le dôme qui vient par-dessus. D'origine, c'est fixé, hein, c'est collé. Mais il y a une fragilité. Il y a une fragilité au niveau de l'angle ici. Donc, Multiboutique préconise de faire un joint. Vous voyez comme ça, un joint PU, un joint avec de la colle. Donc moi, j'ai fait tout le tour. C'est pas forcément esthétique, parce que j'ai pas pris le soin de le faire hyper propre. Mais voilà, et ce petit joint là permet vraiment de renforcer le dôme. Donc vraiment important, si vous commandez cette antenne là, je vous mets le lien dans la description hein, sur le site Multiboutique, pensez dès que vous la recevez, avant même de la monter, vous faites un petit joint comme ça. Vous prenez du Sika, le 512 UV là, il est parfait celui-là, 521 UV. Vous faites un bon gros joint, hein, on est pas radin, on met une belle dose de joint. Pour que ce soit bien costaud. Voilà. Hop, allez, je redescends. Oh putain, c'est haut. Aïe. Le manteau là, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Et donc cette petite antenne là, franchement, elle est top. Et donc c'est une antenne multidirectionnelle. Parce qu'en fait, vous avez deux sortes d'antennes. Vous avez les antennes directionnelles, hein, donc qui vont dans une direction, et vous avez les antennes multidirectionnelles qui captent dans toutes les directions. Concrètement, une directionnelle, on prend une antenne directionnelle quand on utilise un routeur 4G par exemple à la maison. Là, vous allez prendre une antenne directionnelle et vous allez la mettre en direction des antennes relais des opérateurs, hein, voilà, pour aller capter le signal sur l'antenne. Si vous êtes dans un véhicule hein, ou vous êtes nomade, il faut bien prendre une antenne multidirectionnelle hein, parce que vous n'allez pas vous emmerder à chaque fois que vous arrêtez à chercher où est-ce qu'il y a une antenne relais et aller venir diriger l'antenne hein, vers l'antenne relais, quoi, vous comprenez. Donc voilà, une antenne multidirectionnelle. Moi, pour faire simple, j'ai installé la box dans le car. J'ai fait des tests de connexion avec les antennes d'origine, en sachant que le véhicule d'origine, ça fait une cage de Faraday. Hein. J'arrive à des débits aux alentours des 15-20 mégas. Alors, vous allez me dire, c'est pas mal déjà. Ouais, mais moi, je veux du haut débit, très haut débit. Du coup, j'ai installé son antenne, cette antenne donc, et j'ai réussi à avoir des débits jusqu'à 120-130 mégas en upload. Et en download, je veux dire, en upload, j'ai eu des débits jusqu'à 25-30 mégas. Voilà. Donc c'est énorme. C'est énorme. Pour de la 4G, c'est énorme. Surtout que moi, j'ai l'antenne relais la plus proche qui est à 4 km. Donc il y a quand même une sacrée distance. Vous voyez? D'ailleurs, je vais vous mettre là à l'écran, je vais vous afficher un test de débit 4G que je vais faire sur l'ordi là. Voilà, comme ça. Vous allez voir la connexion. Alors là, en sachant que le car, il est garé sous le hangar. Donc le hangar, comme il est avec une structure métallique, ça fait une cage de Faraday. Donc j'ai des débits moins importants. J'ai pas 120, 130, 140 mégas. Je suis plutôt aux alentours des 50, 60, 70 mégas. Mais c'est déjà une connexion énorme.
Je vous referai dans une prochaine vidéo, je vous mettrai un petit test quand je suis devant la maison par exemple, où il n'y a rien qui gêne la connexion. Et vous verrez que là, il y a des débits ultra hauts, ultra rapides. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je crois qu'il y a plein de choses à dire encore, mais comme j'ai rien noté, comme j'ai pas préparé ma vidéo comme d'hab, j'ai dû oublier plein de trucs que je voulais vous dire. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez dans des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense que je ferai un petit live prochainement dédié à ça, dédié à la connexion internet, à la télévision, par internet, par la 4G, à la gestion de l'alarme, etc. Parce que voilà, dernier point, je vais vous montrer prochainement comment je peux avoir la télévision en tant que nomade grâce à ma box 4G. Comment faire pour avoir ça, quel matériel utiliser, pareil, du pas cher, et pour pouvoir regarder par exemple des films en 4K, quoi, hein. Je vous le dis, c'est possible, j'ai testé déjà. Pareil, j'ai commencé à installer l'alarme. Vous avez dû voir là, le petit écran. Là, il me reste les capteurs à fixer. Pareil, cette alarme, elle sera gérée aussi par Internet. C'est-à-dire qu'à distance, je pourrais enclencher, désenclencher l'alarme via mon smartphone, via Internet. Vous voyez, j'y reviendrai. Il y a plein de choses à dire sur le sujet. Il y a plein de possibilités. Et voilà, donc ça vaudra le coup de s'y pencher. Mais voilà, on va faire un petit live pour essayer, je pense, sur le sujet, pour essayer d'approfondir certains points. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont plein de questions. Et vous avez raison. Bon, allez, je vous tiens pas plus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai continué les travaux dans le car. J'ai quasiment fini tout ce qui me restait à finir avant de le présenter à l'Adréal. Donc, je vais vous faire un petit condensé là sur la prochaine vidéo, je pense. Où je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Voilà. J'espère que les quelques renseignements que je vous ai filés, ça vous a plu. Et puis, prenez soin de vous, puis on se retrouve très bientôt. Allez, bisous !